famille et que cette année vous sera très agréable et profitable. Je profite en même temps pour vous souhaiter la bienvenue dans votre émission H l'actu. Et vous savez, ce soir, pour commencer la nouvelle année 2023, j'ai l'honneur de recevoir la plus belle haïtienne de l'univers qui se prénomme Midelyne Philizor, notre Miss Univers 2023, notre Miss Haïtienne 2022. Midelyne, bonsoir et bienvenue Bonsoir, wow. chez vous. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Bonne année aussi Nathalie et bonne année à tout le monde, surtout les Haïtiens qui vivent en Europe et surtout ceux qui écoutent H-Lacti. Donc je suis très très contente d'être ici et de discuter avec vous. Très bien, merci Mudeline. Moi, je vous souhaite la réussite, la gloire, la santé, la beauté. Vous l'avez déjà. On ne peut que l'embellir. Je suis très heureux ce soir de vous avoir avec moi comme invitée 2023, la première du mois de janvier. Donc, Mudeline, je vous souhaite gloire, beauté et beaucoup de réussite, et surtout la réussite à ce concours qui aura lieu du 4 au 14 janvier 2023. Bienvenue, Mideline. Merci, merci beaucoup, Nathalie. Normal. Ben, Oui, c'est Haïti que vous mettez en avant. exactement, c'est Et Haïti. chaque personne doit donner sa contribution. C'est déjà une bonne chose et vous avez contribué à ma participation à Miss Univers. Merci. Bon, Mudeline, comment allez-vous? Comment vous avez fêté la nouvelle année 2023 avec toutes les préparations que vous avez à faire? Bon, déjà, fêter l'année 2023 en tant que Miss Univers Haïti, c'est déjà pour moi une bonne chose. Je suis très, très contente parce que je suis en train de réaliser mon rêve avec une nouvelle année. Je dois dire que je suis très, très contente, Nathalie, très, très contente. Et de Très représenter bien. Haïti à nouveau dans une compétition. Très bien, Mideline. Mideline, vous savez, ça fait quelques années que vous participez à des concours de Miss. En 2018, vous avez participé à l'élection de Miss Supranaturelle, où vous avez gagné deux prix, celui du meilleur costume national, puis en 2019 ou fin 2018, vous avez été également élue Miss Caribéenne. Est-ce que, comme toutes les petites filles, étant enfant, vous avez rêvé d'être Miss un jour? C'était pas vraiment un rêve d'enfant, mais je dois dire que le rêve, c'était d'influencer les jeunes positivement, mais je ne savais pas comment j'allais faire. Donc, en 2018, j'ai participé à Miss World Haïti. C'est là que je me suis dit, bon, j'ai trouvé comment j'allais être une voix pour les jeunes, mais surtout pour les enfants orphelins, parce que je suis l'une d'entre elles. Donc, j'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans. Donc, avec les concours de beauté, j'ai une plateforme où je peux défendre les droits des enfants, mais surtout les enfants orphelins, les enfants qui n'ont pas de parents, les enfants démunis. Donc, j'aime les concours de beauté parce que, et surtout, de représenter Haïti, de projeter une image positive de Haïti. C'est une très belle histoire qui continue pour vous, puisque en 2019, vous avez lancé votre agence de mannequinat. Brièvement, comment cela se passe d'être aussi chef d'entreprise? Bon, après ma participation à Miss Supranationale en 2018, où j'ai été Miss Supramodèle caribéenne,
Le 27 avril 2019, j'ai décidé d'ouvrir une agence de mannequin. Mais je dois dire, c'est pas une agence de mannequin, c'est une famille, c'est ma deuxième famille. On a plus de 60 jeunes, filles et garçons, et j'ai cherché des contrats pour eux, des contrats payants, bien sûr. Ils ont un coach aussi pour des formations, estime de soi, catwalk. Donc, et Silhouette Agency, c'est vraiment une famille, c'est une agence qui est là pour toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons aussi qui veulent avancer, surtout dans le mannequinat. Donc, c'est un de mes plus grands accomplissements, Silhouette. Donc, Midoline, ça fait quoi d'être l'une des plus belles femmes au monde? On vous dit Ah, ça souvent? oh, bon, oui, on me dit ça souvent, surtout je vais représenter mon beau pays, Haïti. Et je me sens très, très contente de représenter Haïti dans le plus grand concours de beauté du monde. Alors, je me sens, tu vois, je suis timide. Vous avez Donc, ça l'estime me fait du bien de de vous. l'entendre. Donc, en 2022, en mois d'août, vous avez été élue Miss Haïti 2022. Et était-ce une surprise pour vous? Comment avez-vous vécu cette annonce? Bon, c'était pas une surprise parce que j'ai travaillé dur pour ça. 4 ans après, et après Miss Supranational en 2018, tout de suite après, j'ai su que je voulais représenter Haïti à nouveau à Miss Univers. Donc, j'ai dû participer à Miss Haïti et puis. Voilà, aujourd'hui, je suis votre Miss Haïti Univers 2022. Donc, c'est pour vous dire, croyez en vos rêves et travaillez dur pour réaliser vos rêves. Donc, Midoline, en tant que Miss Haïti, quel est le rôle de Miss Haïti au niveau local pour le pays? Bon, au niveau local, c'est de bien représenter Haïti, surtout de projeter des images positives de Haïti, de montrer nos belles plages, nos sites historiques, ensuite d'espérer, je dois dire d'espérer les jeunes Haïtiens, surtout les jeunes filles qui vivent en Haïti. Donc, elles ont besoin d'inspiration. Donc, à travers Miss Haïti, j'ai une plateforme où je peux défendre une cause, et je dois dire ma cause sociale, c'est défendre les enfants orphelins. Donc, et Haïti, je dois dire que Miss Haïti, c'est vraiment une plateforme. Miss Haïti Organisation offre une plateforme aux jeunes filles d'avoir une voix, surtout une voix pour la jeunesse haïtienne. Pour les petites filles qui nous regardent, Medellin, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager à avancer et à accomplir leurs rêves? Qu'importe le rêve. Vous, les petites filles qui me regardent aujourd'hui, j'étais comme vous. Et je n'avais même pas une mère sur qui je pouvais compter. Donc, si vous en avez ou si vous n'avez pas de mère, focus. Croyez en vos rêves et travaillez dur pour réaliser vos rêves. Demain, vous pouvez être une Miss aussi. Et vous pouvez être, et quand je peux dire ça, une présidente et. N'importe quoi vous voulez être. Donc, et croyez en vos rêves et. Très bien, Midoline. Avant vous, en 2017, nous avons eu une candidate, Miss Univers, Raquel Pelissier, qui a été élue première dauphine de cette Miss Univers. Est-ce qu'en 2017, Midoline, vous avez pensé aujourd'hui être à cette place, à la place où se trouvait Raquel en 2017? Bon, je vais suivre la trace de Raquel Pélissier à Miss Univers parce que je dois dire que c'est une femme positive. Et c'est à travers Miss Univers en 2016 que certains Haïtiens savaient c'était quoi un concours de beauté, un concours de Miss. Ils ne savaient même pas, mais avec Raquel Pélissier, qui était la première dauphine de Miss Univers, donc, elle est une modèle, surtout pour les jeunes filles. Donc,
Je dois dire que j'apprécie Raquel beaucoup et je vais suivre la trace de Raquel Pélissier pour bien représenter, pour vous bien représenter à Miss Univers et d'arriver plus loin. Vous êtes sur la bonne voie puisque l'aventure continue en 2022, début 2023. Donc pour vous, ce défi, comment voyez-vous le défi de participer à Miss Univers et comment vivez-vous ce défi également? Bon, premièrement, je dois dire que je suis en train de vivre mon rêve. Je suis en train de réaliser mon rêve. Et c'est une bonne chose pour moi. Je suis très, très contente. Mais je dois dire également que la couronne est très lourde. C'est pas facile. C'est pas une mince affaire de représenter toute une nation, de représenter un pays. Donc, je dois dire que la couronne est très, très lourde. Mais avec vos supports, avec l'aide de tous les Haïtiens, je vais bien représenter Haïti et je compte sur vous. Mideline, vous cherchez également des sponsors. Oui. Donc, comment, si quelqu'un nous regarde actuellement et souhaite sponsoriser, vous sponsoriser ou sponsoriser l'organisation de Miss Haïti, comment cette personne doit s'y prendre? Bon, si vous voulez sponsoriser Haïti pour Miss Univers, contactez l'organisation de Miss Haïti via Gmail. Miss Haïti organisation à commercial gmail.com. Miss Haïti organisation à commercial gmail.com. Ensuite, si vous voulez, alors pas si vous voulez, votez pour Haïti parce que les votes sont déjà en cours. Les votes, Nous c'est allons comment vous pouvez voter, c'est. venir sur les votes, mais avant, j'ai une question. Au OK. niveau international, puisque nous sommes à l'élection de Miss du monde, quel est le rôle de cette Miss Univers au niveau national? Miss Haïti Univers? Oui, Miss Haïti Univers, quel est son rôle? Comme je l'avais dit tout à l'heure, Miss Haïti, pas Miss Haïti, je ne voulais pas dire Miss Haïti, je voulais dire Miss. C'est de bien représenter son pays. Moi-même, en tant que Miss Haïti Univers, je vais représenter Haïti dignement. Je vais projeter une image positive de Haïti. Je vais continuer à inspirer les jeunes. Je vais continuer à défendre les droits des orphelins. Donc, c'est ça mon rôle. Donc, pour ce faire, vous avez besoin du support de la communauté haïtienne ou de la diaspora haïtienne. Surtout de la Comment? diaspora haïtienne, parce que. Je dois dire que les Haïtiens qui sont en Haïti actuellement, c'est pas facile pour eux. Même moi, je devrais être en Haïti pour aller visiter ma ville natale et faire d'autres activités. Malheureusement, je suis en Floride, je ne peux pas aller en Haïti. Donc, on ne peut pas trouver des sponsors en Haïti aussi. Donc, les Haïtiens dans la diaspora, ceux qui vivent en Europe, en Amérique, déjà, je compte sur vos supports. Comment cette diaspora, la communauté haïtienne vivant à l'étranger, comment cette communauté peut vous supporter, supporter Haïti pour gagner l'élection de Miss Univers avec vous? Premièrement, c'est de voter pour Haïti. Allez télécharger l'application de Miss Univers sur App Store ou Play Store. Le premier vote est gratuit. Ensuite, vous pouvez voter avec votre carte de crédit. Donnez autant de votes que vous voulez à Haïti, parce que les votes sont extrêmement importants. Ensuite, comme je l'avais dit tout à l'heure, si vous voulez sponsoriser Haïti à Miss Univers, contactez l'organisation de Miss Haïti via Gmail, Miss Haïti organisation à commercial gmail.com. Et n'oubliez surtout pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Midline Felizor. Felizor s'écrit avec PHELIZOR. Mais comme on est en France, on est également dans la communauté haïtienne, dis-so ce dia-là pour nous supporter, mais en créole. Supportez Haïti. Nous-mêmes qui avons iPhone, nous-mêmes qui avons Android,
Téléchargez l'application Miss Univers là. Premier vote là gratis. Ensuite, nous sommes capables de voter Haïti avec carte de crédit. Nous sommes capables de faire Haïti quantité de vote que nous voulons. Et nous sommes capables de voter quantité de fois que nous voulons pour Haïti. Parce que vote est vraiment important. Ensuite, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Midline Felizor, PHELIZOR, Facebook. Comme ça, nous sommes capables de faire toute update de parcours moins pendant le concours du 4 au 14 janvier. Donc, moun yo pa ka di yo va tan de français, français, créole. Bon, nous en anglais maintenant. Download the app on Play Store or App Store, Miss Universe. The first vote is free, and then you can vote with your credit card. You can vote for Haiti. And then follow me on Instagram, Facebook, Twitter, Midline Felizor. PHELIZOR. Midline Felizor. Thank you. Don't forget to vote for Haiti. And Donc, support Haiti at Miss Universe. Mideline, je pense que c'est fait. Le travail est fait maintenant. C'est à la communauté haïtienne vivant à l'étranger de faire le reste en votant pour Haïti sur les applications nécessaires, n'est-ce pas? Yes. Donc, Oui, Mideline, on a c'est vraiment jusqu'au important 13, et hein? partagez le lien avec vos amis. Jusqu'au 13. Pour Oui, voter, jusqu'au 13 13. janvier. Le Yes. résultat est le 14. Oui, le C'est 14 bien janvier. ça? Oui, Donc, pas c'est ton ça. dernier moment hein, pour aller voter. Hein. C'est du 4 au 13, on vote. Et le 14, on prend le champagne et on partage, Oui. on félicite sur les réseaux. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Excellent. 14 ans, c'est final Bon, je serai là, là. devant ma télé. Donc, D'accord. on peut faire que ça, mais nous sommes avec vous, avec Haïti, tous après vous. Donc, Mideline, Yes. le mot pour la communauté haïtienne d'Europe, que souhaitez-vous dire à cette communauté? Bon, d'abord, je dois dire à cette communauté que je compte sur vous, je compte sur vos supports et déjà, je vous souhaite une bonne année 2023, vous qui vivez en Europe. Mais ceux qui vivent en Haïti, je vous souhaite également une bonne année 2023, même quand je sais que c'est pas facile de dire ça, mais c'est ce qu'on espère. Donc, merci déjà de supporter Haïti à Miss Univers, merci de me supporter. Très bien. Donc, rappelez-nous la date des élections et aussi le mot de la fin pour conclure, Mideline Felizor. Et la date, c'est 4 au 14 janvier 2023. 4 janvier au 14 janvier 2023. Pour finir, je dois dire un petit conseil, c'est croyez en vos rêves, travaillez dur et surtout, n'abandonnez pas. Merci. Merci à vous, Mideline, Merci beaucoup, d'avoir Nathalie. participé à cette émission H l'actu. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous dis à très bien vite. Bye!